Ok, ça c'est moi. Je suis un artiste, un inventeur et j'ai étudié la philosophie. J'ai 25 ans et ça, c'est un petit bijou, la conférence spectaculaire. Dedans, j'y partage ma vision des choses, des techniques pour se sentir bien et mon expérience en tant que porteur de projet et bien d'autres choses. C'est un projet que je fais pour partager au monde le fait qu'on est tous créateurs, qu'on est bien plus fort que ce que l'on croit, et pour planter en chacun des graines de confiance et de création. Si vous voulez, dans cette conférence spectaculaire, il y a des parties conférences où je partage des choses et des parties un peu spectacle où je fais des choses avec les gens. Comme chose, par exemple, il va y avoir de la danse, de la méditation, du chant, des exercices, des petits conseils et bien d'autres choses. À l'intérieur, j'incarne plusieurs personnages qui sont ici. Ça, c'est moi en tant que porteur de deux petits livres que j'ai été. Ça, c'est moi en tant que créateur numérique. Ça, c'est moi en tant que président d'une association. Et il y a d'autres choses que je suis, comme tout le monde, on est plein d'autres choses. Donc je vais parler de toutes les dimensions de l'être, en gros et puis en micro. Je vais parler aussi d'une vision poétique du monde, à travers une espèce de chanson pour dire que tout est lié et on peut avoir de la compassion pour toutes les choses. Je vais parler bien évidemment de quelques projets que j'ai pu mettre en place, ma vision de l'art, de quelques projets, quelques conseils que je vais pouvoir offrir aux spectateurs pour se sentir bien et pour œuvrer. Et puis tout ce voyage va se faire à travers ceci. C'est le Juliocopter. La salle qui accueillera cette conférence spectaculaire se transformera justement en Juliocopter avec ces petites règles, bienveillance, respect, ouverture et bien sûr ceinture de sécurité, parce que ça va très 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 vite. C'est une conférence, un spectacle qui dure 1 heure. Pour ça, j'ai juste besoin d'un vidéoprojecteur sur lequel je vais présenter cette carte-là, qui sera un peu le cockpit de l'hélicoptère, hein, du Juliocopter. Et puis, bien évidemment, je vais avoir besoin d'un micro, d'un système son pour présenter cette conférence spectaculaire d'1h30, comme j'ai pu le dire. Merci de bien avoir reçu cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles informations. Merci.